Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations incroyables, mais vraies. Un démon est amoureux d'une fille ici, mais de quelle fille s'agit-il? Écoutons ça! Je voudrais raconter une histoire qui est arrivée à l'une de mes amies. Cela s'est passé en 2010. Il faut noter que je vis à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, il y a 4 ans auparavant, mes voisines en face, qui sont des Guinéens, ont reçu une jeune fille qui venait d'une autre ville de la commune d'Abidjan. Une jeune fille qu'on avait promis en mariage au premier fils de la dame qui vivait au Congo. Donc, quand elle est venue au quartier, puisque nous étions toutes les deux jeunes, nous sommes liées d'amitié, elle et moi. Et après les rites traditionnels du mariage, elle est partie au Congo, restée avec son mari. Donc, elle revient, j'ai plus de nouvelles d'elle, et 8 ans plus tard, elle revient à Abidjan chez sa belle-famille qui vit en face de chez moi. Et c'est là que je reprends dans mon amitié avec elle. On échange tout le temps. Je lui demande un peu comment ça se passe, sa vie maritale, comment est-ce qu'elle gère son foyer et pourquoi est-ce qu'elle est revenue à Abidjan. Donc elle me dit qu'elle est revenue à Abidjan parce que elle avait beaucoup de problèmes avec son mari puisque elle est victime d'un djinn amoureux. Bon, au départ, comme elle me le disait, j'en avais déjà entendu parler, mais bon, pour quelque chose que j'ai jamais vraiment vu, j'ai jamais entendu quelqu'un d'assez proche m'en parler, je ne croyais pas réellement ce qu'elle me disait. Et chaque jour qu'elle venait, on se voyait chaque soir quand je revenais de l'université, elle me racontait des histoires, elle me disait elle a pris 5 grossesses lors de son mariage au Congo, et à chaque fois que ses grossesses commençaient à se faire, à être visibles, le djinn amoureux se chargeait de lui causer des fausses couches. De telle sorte que son mari était abattu après 8 ans de mariage, ils n'ont pas pu avoir d'enfants, ils étaient tout le temps dans les disputes. Elle dit qu'elle le voyait régulièrement et qu'ils avaient des relations sexuelles régulièrement. Elle a même donné des jours où il venait, je crois c'était le jeudi, la nuit du jeudi à vendredi, et il venait quand même de manière fréquente, il venait la voir et ils avaient des relations intimes. Elle me le disait tout le temps et elle m'a dit que quand il venait et que par moment, quand elle et son mari se disputaient et qu'il arrivait que son mari levait la main sur elle, le lendemain, le djinn là se chargeait de frapper le mari à la fille, mon amie qui s'appelle Annie. Et le djinn se chargeait de frapper le mari de Ami jusqu'à ce que le mari n'en peut plus. Ils ont essayé de traiter par tous les moyens possibles et c'est comme ça qu'elle est venue à Abidjan. Donc elle est arrivée à Abidjan dans le quartier, étant donné qu'elle était très jeune, elle avait mon âge. Or son mari, au moment où elle se mariait, je crois qu'il y avait 15 ans de différence entre les deux. Donc elle est arrivée à Abidjan, le monde ayant changé, Abidjan ayant changé, elle sortait par moments, elle a rencontré de nouvelles personnes qu'elle voyait. Bon, et chaque fois quand je venais, je lui demandais, je t'ai vue avec telle personne, je t'ai vue avec telle personne. Elle me disait non, c'est juste des amis avec qui je me suis liée d'amitié. Jusqu'au jour, je vois réellement la manifestation de son djinn amoureux. Semblerait-il qu'elle soit allée à un rendez-vous galant, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Et quand elle est venue, elle est passée me saluer. Je crois qu'il était environ 10 heures du matin. Elle et moi, on cause comme d'habitude et elle rentre chez elle. Quand elle rentre chez elle, j'entends des bruits, des cris. Ah, lâche-moi, laisse-moi, au secours, venez m'aider, au secours, venez m'aider. J'ai pas vraiment prêté attention parce que je me suis dit, bon, c'était pas sa voix. Je me disais que c'était pas elle. Voilà, je venais à peine de la laisser. Ce n'est pas elle. Et puis bon, elle est chez sa belle famille. Il y a personne. Qui est-ce qui pourrait la frapper? Et elle était au milieu de la cour, hein. C'est-à-dire, elle avait les belles-sœurs assises, chacune dans leur maison. Et elle était seule au milieu de la cour. Et les gens la voyaient au milieu de la cour, toute seule, en train de se débattre, de lancer les mains. Ne me tape pas, ne me tape pas, ne me tape pas.
Et les gens ne comprenaient pas jusqu'à ce qu'au bout de, je crois, 2 à 3 minutes, elle continuait et ses belles-sœurs se sont levées. Elles sont venues et malgré qu'elles étaient à côté d'elle, il m'a tapé ici, il m'a tapé ici. Je vous dis, DMG, en une fraction de seconde, la jeune demoiselle, mon amie que je venais de voir, était complètement défigurée. Elle avait le visage enflé, bastonné, comme si elle était passée sous un rouleau compresseur. Je dis, si je ne l'avais pas vue quelques minutes plus tôt, et qu'on me l'avait dit, je n'aurais pas cru. Et tous ceux qui étaient dans la cour de mon amie étaient choqués, puisque elle leur disait tout le temps qu'elle avait des djinns amoureux. Ils avaient eu écho de leur frère qui leur dit non, ma femme, elle a ses problèmes. Mais personne n'avait vraiment vu la manifestation comme ça, de vraiment en plein midi, de voir la scène comme ça. Donc elle est restée à la maison. Et les gens de sa cour en parlaient, mais ils chuchotaient entre eux, pas savoir. Donc ce jour, le soir, comme d'habitude, je ne l'ai pas vue. Elle n'est pas venue échanger avec moi. Le lendemain, je pars la voir. Quand je pars la voir, elle a porté des lunettes de soleil. Mais tu vois qu'elle a le corps rempli de bleu. Je lui ai dit, mais attends, mon ami, comment est-ce que tu t'es fait ces bleus-là? Pourtant, hier, on était ensemble. Elle m'a dit, ah, mais hier, quand je suis revenue de chez toi, il y a mon jean amoureux, il est venu, il m'a battue, il est jaloux parce que j'étais sortie. Et c'était ma première fois vraiment de voir. On nous dit que ça se fait, mais voir réellement comme ça en une fraction de seconde, elle allait voir des exorcistes, des personnes, et bon, elle a vu un exorciste à Abidjan qui réussit à faire venir ces djinns-là et puis leur poser des questions. Et on a demandé à ce djinn-là comment est-ce qu'il était entré en possession du corps de la jeune dame, et il a dit qu'il est tombé amoureux de mon ami quand elle avait l'âge de 2 ans. Il dit qu'il est un djinn amoureux originaire de l'Arabie Saoudite. Mais quand il était en train d'errer, voilà, il errait et puis il a vu en Guinée. Et c'est comme ça qu'il est tombé amoureux. Donc vous voyez un peu comment c'est fou. Il faut vraiment, voilà quoi, il faut vraiment voir des cas de personnes qui en souffrent pour vraiment comprendre. Et là, c'était la petite histoire que je voulais conter. Et par là, il y a mon amie qui me donnait des conseils. Parce qu'elle a eu vraiment des témoignages. Les gens lui ont donné des conseils. Mais quand ça arrive, pour éviter que ce genre de truc ne nous suive, forcément, c'est pas forcément, on le fait pas exprès, mais il y a des mesures à prendre, par exemple, éviter certaines choses, éviter la saleté dans la maison, éviter les endroits abandonnés, éviter, par exemple, de faire certaines choses dans la douche, de parler dans la douche, c'est des endroits qui les attirent, ou même, même quand il veut pas pleuvoir, qu'on est là et soudain on voit des tourbillons, soudain de petits tourbillons, de petits poussées de vent, il faut vraiment éviter parce que il se déplace à travers ces choses. Donc c'était là ma petite histoire. Waouh, vous avez entendu ça? C'est vraiment terrible ce monde, hein? Vraiment trop terrible. Mon Dieu. Bien, nous allons écouter encore le témoignage. C'est parti. Là, je suis gabonaise. Et avec une amie, une de mes meilleures amies, bon, chaque week-end, on se retrouve pour crever un peu dans les boîtes de nuit, les snacks et tout. Donc, on s'est rencontrés un vendredi, on a fait un programme, on est parti, comme je disais, dans une boîte de nuit avec une autre amie à moi. Après, on ne pouvait plus rentrer puisque elle reste. On tourne, moi je reste au Cap, donc des distances. Donc on est directement allé s'asseoir, d'aller dormir chez l'autre amie, une autre de mes amies avec qui on était. Donc, bon, on a dépensé tout l'argent le jour de vendredi en question. Donc on avait plus l'argent de taxi pour rentrer. J'ai dit, bon, à mon ami là, que moi, on va aller voir en soirée un des. Mais bon, un papa qui me draguait et tout. Donc, on a un peu eu la flemme toute la journée, puisqu'on a mis jusqu'au matin 6 heures.
On avait un peu la flemme de se réveiller encore. On s'est peut-être réveillé à 18h, 19h, le temps de se laver, de manger et tout. Il était déjà 20h, 21h. Mais ici, on va vous dire, dans la zone d'Akanda, parce que nous étions dans la zone d'Akanda, ici, à une certaine heure, les taxis, il n'y en a plus trop. Donc, c'est plus l'autostop, quoi. Si tu peux trouver le taxi, c'est bon. Si tu le trouves pas aussi, c'est l'autostop. Les particuliers qui passent, qui vous prennent et tout. Donc, on a d'abord eu un premier particulier qui nous a pris, mais il nous a défoncé. Il a dit que non, il ne pouvait pas arriver là où on partait, vu que c'est un peu loin et tout. Donc, il nous a laissé à un rond-point où ça devait être plus facile de trouver le taxi. On est parti. Il nous a déposé et tout, machin et tout. Il m'a même dragué. J'ai donné mon numéro, machin. Donc, on était au carrefour en question et on a arrêté notre voiture. Un autre particulier, tu vois, belle voiture et tout. On sentait un grand type, machin. Il s'est arrêté, il nous a pris. Mais dès qu'on monte dans la voiture, première chose qu'on remarque, c'est qu'il parle seul devant. Il est du genre, il est seul, il est le conducteur. Mais on est monté derrière parce qu'on ne sait jamais. On est monté derrière, le côté passager était libre alors. On était derrière. Je me suis d'abord assurée à regarder derrière. À banquette arrière pour voir, parce qu'en ce moment, les, comme je disais, les crimes actuels et tout, s'il y a quelqu'un ou bien s'il y a des choses suspectes, il n'y avait rien, c'était bien vite, bien vite. La première chose qu'on remarque, c'est qu'il parle seul. On entend, il est fait qu'il piaffe devant. Tout ça, là, on est encore garé, il n'avait pas encore démarré la voiture, il est en train de piaffer. Là, on rigole que papa, c'est comment, il y a un problème. Oh non, c'est mon petit frère là qui m'a versé la boisson sur le corps. Ma copine et moi, c'est rigole que, mais attends, on est seul ou bien. Comment ça? Oh non, ma chérie, a passé son verre là sur le corps, vraiment, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas où. C'est au moment là qu'on devait même dire que non, on descend, voir que l'homme est suspect, mais je ne sais pas. Tellement on avait besoin de partir, je ne sais pas où. Le papa, on est toujours là. Il ne fait que bloquer, déverrouiller les portières. Son gâteau. Il bloque, il déverrouille, il bloque, il déverrouille. Je ne sais pas ce que le papa l'avait. Il bloque, il déverrouille. Oh, je regarde ma copine, je dis que je vais faire le signe qu'on fait comme un manier, on descend ou bien elle sent que oh non, pardon, c'est loin, il est seulement bourré. Je dis ah, en tout cas, après le problème, il finit par démarrer. Il démarre. Bon, et on roule, on roule, on roule. Il y a le silence, le papa, à un moment donné, le silence bizarre, machin, tout. Il met la musique à fond, DMG, à fond, il met la musique à fond. Je ne sais pas. Dans sa voiture, il me donne avec le bruit. On n'est pas pas diminué la musique, même il fait comme s'il n'y avait personne qui parlait. On lui parle, papa, diminue la musique et tout. Il fait genre, il s'en fout quoi. Il continue à rouler. On est maintenant arrivé là où on devait s'arrêter. On dit arrêt. Il ne veut pas s'arrêter. On dit papa, c'est bon, on s'arrête là. On te dit qu'il augmente la musique. Il continue tout droit, DMG, sur la tête de ma fille. Il continue à rouler. Ma copine et moi, on s'est regardé. Les portières étaient déjà fermées, Seigneur. J'ai dit à mon fils que là, le papa, là, il part pour. C'était même pas des choses à beaucoup discuter. Là, 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 il avait attrapé ses proies. On devait mourir comme ça, que nous retrouvions dans les caniveaux, dans l'herbe du Cap. Parce qu'ils nous ont mené déjà vers chez moi, au Cap, à foncer. Avant d'arriver au Cap, il y a un poste de contrôle. Un poste de contrôle avant d'arriver à la base. D'habitude, le poste de contrôle, là, ça ne reste pas trop. Bon, ça ne reste pas trop. Tout le temps, il n'y a pas les policiers, quoi. Il y a des policiers qui se déplacent, je ne sais pas. Souvent, ils partent dans leur vin, machin, ils se baladent. Donc, ils laissent le. Il y a plus. Ils laissent la libre, la route libre. Et c'est plus dans les 23h. Il était à peut-être 23h, minuit, comme ça, là. La chance qu'on a eue, c'est parce que le jour-là, il y avait encore les policiers. Donc, il y avait le barrage, c'est ça en fait. Il y avait le barrage. Donc, il était forcé de s'arrêter. Quand il s'est arrêté là, directement, moi et ma copine, on est directement sauté de la voiture là, que fou, on est descendu. Parce qu'il fallait qu'il monte ses papiers aux policiers, puisqu'il venait avec il roulait avec la vitesse et tout. Et senti que c'est la seule chose qui nous a sauvés. Quand il a fini de faire ce truc avec les policiers là, là, c'est mon parti où c'est maintenant quand il parle, maintenant qu'on a dit au policier, là où vous voyez là, le papa là, il a failli nous kidnapper. La chance,
Comme je dis là, la chance, c'est parce que le poste de contrôle est encore ouvert. Sinon, d'habitude, à 23h, d'habitude, même à 20h, 21h, ils laissent ça ouvert comme ça, là. Ils s'en foutent, ils sont dans leur balade. Bon, c'était ma petite histoire, quoi. Je sais qu'il n'y a eu rien de mal, mais j'imagine un peu ce qui se serait passé si le jour-là, les policiers n'ont pas eu la décence d'éveiller au moins jusqu'à 23h. Je ne sais pas. J'espère vraiment, comme le policier qu'on a parlé, là, il nous a dit que pourquoi vous ne nous avez pas dit ça, machin, tout. On a senti que, ah, on évite les problèmes. Ah, mais ils nous ont fait prendre une autre voiture, machin, tout. En tout cas, Dieu merci qu'on soit. Wow, dites-moi ce que vous avez passé. Dieu merci qu'on soit bien arrivé, hein. Qu'on soit toujours vivant. Oh, ma copine et moi, c'est vrai, on rit maintenant, on fait des débats sur ça, machin, on blague avec les autres qu'on a failli nous tuer, machin, tout. Mais sur le moment, vraiment, je ne sais même pas comment vous expliquer ça. Donc, juste pour dire aux gens de faire vraiment doucement les sorties de la nuit, se balader n'importe comment, là, vraiment, la nuit, c'est même pas important. Même pas. Il faut éviter ce genre de comportement et c'est plus aux jeunes filles comme nous autres là qui vont vivre, grandir, machin. À un moment donné, il faut savoir là où vous partez, là où vous mettez les pieds parce que vraiment ce jour-là. En tout cas, merci. Et... Ok. Bienvenue dans le coup de cœur. Notre mariage, une histoire hors du commun. C'est parti. Voilà, mon histoire, c'est que il y a quelques mois, je crois il y a 6-7 mois, où j'étais en stand-by. Donc, la société dans laquelle je travaillais m'avait dit d'arrêter et qu'elle devait m'appeler plus tard. Voilà, je me retrouve, comme on dit, comme en chômage, comme je peux dire. Et dans la même période, je venais de perdre mon oncle. Je suis donc allé au lieu du deuil. C'est là où j'ai rencontré une de mes tantes. Une de mes tantes que je n'ai pas vue depuis longtemps. Et elle m'a dit, mais il faut passer à la maison, ça fait longtemps. Et voilà, j'ai donc décidé d'aller là-bas dans la même semaine. Je suis allé la rencontrer, tout ça. Elle était tellement contente de me voir. Et elle a même a proposé de venir habiter chez elle. Elle a dit que non, moi j'habite seule. J'ai une grande maison, beaucoup de chambres. Et donc tu peux venir, je vais te donner une chambre au lieu d'aller louer. J'ai dit ok, d'accord, je vais passer. Elle dit non, il faut venir le plus tôt possible. Moi je voulais venir samedi. Elle me dit non, il faut venir mardi. C'est comme ça que je suis rentrée donc à la maison, toute contente, disant que ah, j'ai trouvé une bonne opportunité pour aller habiter. Parce que actuellement, je suis en stand-by, c'est une aubaine pour moi, pour ne pas payer le loyer. Et c'est comme ça que la semaine qui suivait, j'ai donc déménagé, enlevé toutes mes choses, allé habiter chez ma tante. Oui, elle m'a bien accueilli, tout ça, elle m'a donné une chambre provisoire. Et la chambre dans laquelle je devais dormir était encore encombrée. Il fallait faire la propreté, enlever toutes les choses et tout ça. Et la chambre qu'elle m'a donnée pour dormir, c'était une chambre provisoire. Et j'ai donc passé la nuit là-bas. La même nuit où j'ai passé la nuit, je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Déjà pour signaler, je suis une chrétienne pratiquante. Je suis vraiment chrétienne parce que je prie tout le temps dans la nuit et tout. Donc c'est ma vie de prière, quoi, depuis des années. Et souvent dans la nuit, je dors pas souvent, souvent je... Oui, je disais que oui, cette nuit-là, la première nuit que j'ai passée, j'ai fait... Je sais pas si c'est un rêve parce que je dormais presque pas. Un gros aigle qui planait tout autour du toit de la maison. Et il y avait des gens qui voulaient me donner de la nourriture. Mais j'ai refusé de prendre. Bon, ça c'est le premier jour, le jour est passé. Je me suis dit, bon, comme c'est un premier jour, il n'y aura pas de problème. Deuxième jour également, j'ai fait un mauvais rêve. Je rêve que j'étais assise sur un fauteuil et un gros serpent est sorti, voulait me manger la main gauche. Là où j'avais posé ma main, j'avais plutôt posé ma main là où était la cachette du serpent. Cette nuit-là, j'ai eu très peur. Et je me suis réveillé en sursaut. J'ai dit que bon, il faut que je sorte de l'ancienne chambre pour aller là où elle veut que je sois. Peut-être c'est parce que j'ai hésité de rester. Voilà, je suis allé rester dans la deuxième chambre. J'ai donc décidé d'aller faire le nettoyage. Et je crois que le même deuxième jour, avant le soir, avant la nuit, elle est ma tante là. Je vous dis qu'elle a 86 ans. C'est une vieille femme.
Elle me dit, voici les habits que je t'apporte. Elle apporte deux robes, deux vieilles robes de grand-mère, comme les genres de robes qu'on voit au champ. Les genres de robes qu'on ne porte. Elle-même, elle ne portait plus ça. Elle me dit que voici les deux robes que je te donne. Je vois que tu n'as pas le vêtement. Hein. Prends ça, tu essayes. Et voilà les robes que je te donne. J'ai ce mon Dieu dans mon cœur, mais la femme, si. Je n'ai jamais refusé d'étudier. Après, elle est revenue dans la nuit, toujours autour de 22 h. Mais les deux robes que je t'ai données, là, est-ce que tu as essayé? Va les essayer. J'ai dit non, je ne peux pas les essayer. Parce que ces robes-là ne me plaisent pas. D'ailleurs, elles ne me plaisent pas, je ne peux pas les porter. Voilà, c'est passé. C'est comme ça que le lendemain encore, quand j'ai mis ma robe, elle me dit que non, la robe que tu as là, comme une robe de grand-mère. J'ai dit non, c'est pas une robe de grand-mère. Alors que la robe que j'avais était mieux que les deux vieilles robes qu'elle m'avait données. Après, elle me dit, j'ai aussi les chaussures. Hein. Si tu veux les chaussures, je vois que tu n'as pas les chaussures. J'ai dit non, non, pas la même pointure. Donc, à tout moment, elle voulait me donner quelque chose, mais je refusais. C'est comme ça que j'ai passé des mois. Je crois deux mois. J'étais à 2 mois dans cette maison. Et cette femme-là commençait à être très désagréable avec moi. Ne touche pas ceci, ne touche pas cela. C'est devenu comme si on était deux ennemis dans la maison. Je ne dois pas toucher leur nourriture, je ne dois pas toucher leur huile. Donc, heureusement que j'avais mes choses que j'avais apportées. J'ai commencé à utiliser mes propres marmites, mes propres fourchettes, même leurs assiettes, je n'utilisais pas. Et elle a donc reçu les vacanciers qui sont venus chez elle en décembre. Et il y avait toujours cette division. Moi, j'étais toujours de mon côté. Et heureusement que Dieu pourvoyait, j'avais toujours de l'argent. Après, à un moment donné, elle ne voulait plus que je sorte. Tout le temps que je sors, elle me demande pourquoi. Elle me demande si je vais sortir. Elle me demande tout le temps. Elle a commencé à m'épier, même les conversations. J'avais un ami, tout le temps, causé au téléphone. Après, je me suis rendu compte qu'elle suivait mes conversations. Et j'ai commencé à suspecter que cette femme est sorcière. Elle se comporte bizarrement dans cette maison. Et même dans la nuit, parfois, quand je dormais comme ça, je vous dis que j'ai presque fait 3 mois dans cette maison, je ne dormais pas. Dès que la nuit arrivait comme ça, je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas fermer les yeux. Je faisais tout pour dormir, je n'arrivais pas à dormir. Et il y avait toujours des cauchemars, toujours des cauchemars, des couches de nuit, la nourriture, dans le rêve et tout ça. J'ai commencé à réfléchir comment je vais faire pour partir de cette maison. Après un moment donné, même mon ami ne m'appelait plus jamais. Quand je l'appelais, il ne répondait plus. Cela a fait, je crois, durer presque 4 mois. Et ensuite, voici ce qui s'est passé. Au mois de décembre, alors, j'étais assise dehors. Et j'ai vu dans une vision, je n'étais pas endormie. J'ai souvent l'habitude d'avoir les visions. Je vois ma tante là, elle est revenue. Elle revenait à la maison avec un plastique. Dans le plastique, il y avait la tête d'une personne qu'on a coupée. Et sa nièce venait dans le plastique avec les bras de la personne qu'on a. Comme si on avait tué une personne, quoi. Comme si ils revenaient de tuer une personne. Ils sont venus avec ça. Je n'ai rien compris. J'ai dit, mais qu'est-ce que cette histoire? Et le même soir, ils étaient sortis parce qu'il y avait des vacanciers, au moins 3 vacanciers dans la maison. Et ils sont sortis. Parce que quand ils sortent, ils ne me disent pas. Donc j'étais seulement là comme pour garder seulement leur maison, pour faire les petits travaux et tout. C'est un peu comme quelqu'un qui voulait quelqu'un pour lui faire les travaux. Donc elle se cachait comme pour dire comme si elle veut quelqu'un chez elle et tout. C'est juste parce qu'elle voulait quelqu'un pour faire les travaux ou bien peut-être quelqu'un pour manger, quelque chose comme ça. Ça, c'est ce que je pense parce que par rapport à tout ce que j'ai vu, le même soir là où j'ai eu la vision. J'ai vu la tête dans le. Voilà, le même soir, il rentre avec un plastique et on me dit de venir prendre le plastique, mettre dans la maison. Et dans le gros plastique, il y avait un gros poisson dedans. Donc, certainement, ils étaient dans un endroit, je sais pas, une côte, on appelle ça quoi? Dans une île, quelque part ici, pour aller, je sais pas ce qu'ils sont allés faire, mais ils sont revenus avec le gros poisson. C'est un peu comme quand les gens vont à Kribi, ils achètent des poissons, ils rentrent et tout. J'ai pris le poisson, j'ai mis là-bas. Ils ont mangé. Eux, ils étaient là, ils ont mangé le poisson. Je crois que nous étions déjà pendant les fêtes. Moi, je suis allé à l'église. Moi, je suis donc allé à l'église le 31. Voilà. Je suis rentré dans la nuit autour de minuit passé. J'étais très malade. Je me sentais pas bien. Je n'ai pas de fièvre, mais tout mon corps me faisait mal.
J'ai appelé toute la nuit, comme je n'avais rien à boire, j'ai appelé une sœur de l'église. Je lui ai dit que voilà, je ne me sens pas bien pour moi. Toute la journée du premier, j'étais seulement couché. Je ne me sentais pas bien. Le 2, je marchais à peine. Je ne me sentais pas bien. Je suis allé à l'hôpital. On me dit que je suis anémié à un niveau. Il faut qu'on me fasse le traitement rapidement, que je suis très anémie et que j'ai le palu. On m'a fait les examens, j'ai commencé à faire le traitement et tout et tout. Je me sentais pas bien. J'ai seulement dit que j'ai appelé mes parents, puisque comme j'habitais chez elle, j'habitais, mais j'ai appelé mes parents pour dire que vraiment là où vous me voyez là, ça ne va pas. Ça ne va pas, il faut que je sorte d'ici. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, je me suis remis. Tout le mois de janvier, j'étais toujours malade, toujours animé, je prenais toujours les remèdes de sang. Mais ce que j'ai trouvé curieux, c'est que la maladie elle est venue juste après que j'ai la vision où j'ai vu la tête de quelqu'un dans le plastique et tout et tout. Bon, moi j'ai compris que comme c'était le temps des sacrifices, peut-être qu'on voulait me sacrifier dans cette maison-là. Parce que, étant dans cette maison même, je me sentais bizarre, comme si comme si je ne pouvais pas, on dit quoi, sortir de cette maison, comme s'il y avait une force qui me retenait là-bas. Malgré toute ma volonté de vouloir sortir, mais il y avait une force qui me retenait. Donc, c'est comme ça que bien après, j'ai pu avoir l'argent, je suis sorti de cette maison. Avant de sortir de cette maison, j'ai commencé à avoir des rêves dans la nuit. C'est pas vraiment des rêves, j'avais toujours l'impression qu'on va me tuer. Toutes les nuits, il y avait les gens tout autour de moi. Je voyais les gens tout autour de moi, même quand j'étais malade là. Les gens tout autour de moi qui voulaient me sacrifier. J'avais peur, je sentais qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Et puis un soir là nous sommes en février, presque fin janvier 2023, j'ai entendu une voix qui disait: sors de cette maison. Si tu ne sors pas de cette maison avant le mars 2023, tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, on va t'enterrer, on va t'oublier. J'ai entendu cette voix me parler. C'était dans la nuit. J'ai dit ça. Et en plus, les jours qui passaient, j'avais tellement peur. J'avais toujours peur. J'ai dit. Et je voulais absolument sortir de là. Mais je n'arrivais pas à me lever pour dire que je sors pour aller. Et après un soir, comme ça, je suis allé à l'église. Et tout, on a prié. Après la prière, j'ai eu la force. Dans la même semaine, j'ai dit non, à force seulement une fois, faut avoir la maison. Je suis donc allé chercher la maison. Je suis donc allé chercher la maison. J'ai pu sortir de la maison. Et je n'ai pas dit d'avance quoi à cette femme-là, à ma tante, que je partais. Donc à la veille de mon départ, c'est là où je lui dis que je pars. Elle était donc mécontente. Elle dit que tu pars pourquoi? Voilà. J'ai dit non, je pars parce que j'ai trouvé du travail. C'est comme ça que je me suis échappé. Alors, le jour où je partais, elle a pris un billet d'argent, elle m'a donné. Quand je suis donc arrivé dans ma nouvelle maison où j'avais aménagé, j'ai passé le mois de février dans une galère terrible. Je ne voyais même plus 100 enfants. Même mes affaires que je faisais, mon travail, personne ne m'appelait. C'est-à-dire que j'ai fait une semaine, je ne mangeais pas. Je n'avais pas d'argent. Je ne comprenais pas. Et c'est comme ça que j'ai passé tout son temps dans la prière, dans le jeûne. C'est là où Dieu m'a révélé que c'est cette femme-là, là où j'étais, n'était pas bien. Que l'argent qu'elle m'avait donné en partant, elle avait fait le sortilège sur cet argent pour que je n'avance pas, parce qu'elle était mécontente que je sorte de sa maison. En réalité, elle voulait sacrifier quelqu'un. C'est moi qu'on avait programmé pour la fin de l'année. Maintenant, comme je priais, comme je prie, cela a échoué. Et ce que j'avais reçu comme vision, quand je vous disais que si je ne sors pas de cette maison, je vais mourir. Cette vision s'est concrétisée au mois de mars. Au mois de mars, il y a un membre de ma famille qui est décédé. Brusquement, la personne était malade, mais elle a fait trois, je crois, quelques jours à l'hôpital. La personne est décédée. Et donc, voilà comment j'ai pu échapper. Sincèrement, je voyais la mort venir. La manière que j'étais anémie, je n'ai jamais eu ça dans ma vie.
Donc, en fait, c'était mon histoire. C'est pour vous dire que ce que je vais prendre comme leçon, c'est qu'avant d'aller quelque part, demandez la face de Dieu. Même si on vous dit que vous allez habiter dans un château, ne vous précipitez pas. Cherchez déjà la face de Dieu. Priez avant que Dieu ne vous donne son accord. Une proposition peut être belle, mais derrière ça, ça peut vous emmener à la mort. Et en plus, la deuxième chose que je voudrais dire, surtout aux jeunes filles, faites attention aux vêtements qu'on vous donne. Parce que ces grands-mères-là, beaucoup de grands-mères qui sont dans la sorcellerie, échangent les chances des jeunes filles. Ils prennent tes chances. Si je portais les habits que cette femme m'avait donné là, déjà, si j'avais porté, c'est que ma situation devait s'empirer. Déjà, même quand je suis sorti de cette maison-là, je dis que personne ne me voyait plus en route. Quand les gens me voyaient, on m'appelait toujours grand-mère. Et cela m'irritait beaucoup, sans savoir que l'esprit de la femme était en moi. Donc, certainement, elle avait fait quelque chose, puisqu'elle avait les doubles clés de ma chambre. Elle entrait dans ma chambre, peut-être mes slips que j'étalais, toutes mes choses qui étaient là. Je ne sais pas ce qu'elle a pu faire. Mais je vous dis que c'est comme si un masque de vieillesse était sur moi. Les gens me voyaient m'appeler toujours grand-mère, grand-mère, grand-mère. Et c'est jusqu'à ce que ça m'irrite. Donc, elle avait changé mes chances. Elle utilisait mes chances. C'est pour ça qu'elle était devenue vigoureuse. Elle avait la force. Tu vois une vieille femme de 86 ans, elle voulait. Tu vois le genre de vieille femme qui n'aime pas vieillir là, c'était le genre de femme là. Donc elle cherche les chances pour échanger. Donc les jeunes filles, évitez surtout de dormir avec les grands-mères là. Tu ne connais pas l'état d'esprit, même si c'est ta mère, même si c'est ta grand-mère, tu ne connais pas son état d'esprit, elle va vouloir te voler tes chances. Donc c'est courant, les grands-mères là, ils ont l'habitude d'échanger les chances. On te donne un habit. Et quand tu portes l'habit là, ce sont tes chances qu'on a volées. Parfois même c'est tes pieds. Parce que j'avais mal aux pieds, je ne marchais plus. Je ne marchais plus bien. Parce que la femme là, elle marche avec le bâton. Et moi-même, j'ai commencé à marcher comme quelqu'un qui était. C'est-à-dire que j'étais faible. Je ne pouvais même pas me lever. Je pouvais m'asseoir comme ça de 6 h jusqu'à 15 h. Je suis seulement sur le lit. Je ne pouvais pas me lever. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je me sens fatigué, fatigué. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Il y a plein d'enseignements. Il faut chercher la face de Dieu. Éviter de prendre les habits des gens, même des grands-mères ou d'autres personnes. Porter les habits des gens, ce n'est pas bon. Et puis, avoir le discernement. À vous de juger d'autres leçons par rapport à l'histoire. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à vous, merci, merci, merci. C'est hors du commun ce que nous venons de découvrir, c'est hors du commun. Partagez, abonnez-vous et je vais pas la suite parce que ce n'est pas encore terminé. Tu vois? N'est-ce que bon, soyez prêts.